You have merely glimpsed the edge of the abyss, but it is enough to trigger the cycle of revelation. Now, like me, you will begin to see things as they truly are. Et nous sommes de retour dans Darkest Dungeon. Alors, la dernière fois, on avait fait un... On avait fait notre premier run. Waouh, maintenant on a des trucs qui, ça... qui apparaissent et tout. On avait notre première mission, en fait, dans le donjon. Maintenant, on a notre deuxième mission. Il faut interrompre la gestation de la créature accablée. Ses défenses et allumer les balises, forcer la chose à se révéler prématurément. Alors, j'ai appris que... Oh putain, on voit des trucs maintenant. C'est marrant, c'est encore le tout le délire de Cthulhu, de... Comment il s'appelle ? Lovecraft ? C'est ça ? Et c'est marrant, parce que maintenant, c'est repris aussi dans Bloodborne, le fait d'avoir... Je sais pas comment on dit, genre de la connaissance par rapport à ces dieux-là, et maintenant on commence à voir des trucs. Donc je me suis un peu amusé à regarder ce qui pouvait se passer. Donc voilà, des fois il y a des trucs qui apparaissent comme ça, c'est marrant. Ouais, genre là. Et il y a les images aussi des personnages bah, voilà, qui changent de temps en temps. C'est assez marrant. J'espère que ça va être ça va empirer en fait, plus on avance et plus ça empire jusqu'à ce que, je sais pas, genre on détruit le boss final. Mais bon, en tout cas, et j'ai appris aussi une chose, c'est qu'on peut plus revenir avec nos persos. Donc, ah ben voilà, on voit l'image là qui a changé. Hop. Donc on peut plus revenir avec nos persos qui ont déjà fait donc un run, comme ce qu'il y avait écrit. Parce qu'on est dans la difficulté la plus élevée. Parce que normalement, ils peuvent, si vous jouez autre que la lune de sang, je crois, ils peuvent revenir, mais ils ont du stress en plus. Alors, je sais pas si c'est la barre pleine de stress ou un truc comme ça, mais en tout cas, ils peuvent revenir. Mais nous, non. Non. Donc, ces quatre-là, c'est fini. Alors, après, on m'a expliqué que ceux-là, genre par exemple, là, qu'ils ont les décorations comme ça, si on les prend... donc dans des missions de champion par exemple, et qu'on en prend d'autres qui sont un peu plus bas niveau, donc par exemple 5 ou 4, enfin 4 c'est peut-être un peu chaud quand même, et ben ils vont donner plus d'expérience aux gens, du coup ça, c'est un peu plus facile de les monter, genre peut-être que au lieu de 2 semaines ça prendra une semaine par exemple de 5 à 6 ou un truc comme ça. Donc voilà, parce que du coup, et c'est pour ça aussi qu'il compte plus, qu'on est à 21 sur 25 maintenant, parce que du coup ça notre truc a grandi, notre liste a grandi du coup, parce que bah oui, bah, il faut des nouveaux héros, et, tout simplement, donc à chaque fois, on a 4 fois, on doit faire le donjon ténébreux 4 fois, donc à chaque fois c'est 4 nouveaux héros, et c'est un peu abusé, je... Genre en fait le jeu est difficile vraiment parce qu'il y a plein de... Pas de sanctions j'ai envie de dire, mais de... Comment dire de règles en fait à chaque fois. Genre par exemple les niveaux 6 ils peuvent pas revenir sur des niveaux 4 et niveau 3 et tout ça. Et puis maintenant il y a ça et c'est en 4 fois le dernier donjon, c'est en 4 fois. Il faut à chaque fois 4 nouveaux héros parce qu'après ils peuvent plus revenir. C'est beaucoup beaucoup de choses pour rajouter de la difficulté honnêtement. Là, honnêtement, je suis pas super fan. J'aurais bien voulu qu'il revienne à l'intérieur et qu'il soit stressé ou un truc comme ça, mais... Mais ouais, enfin bref, on verra ça. Donc voilà. Après, est-ce qu'on peut prendre genre un niveau 1 et le monter directement à 6 en faisant genre 3 fois un 6 et un 1 si on peut faire ça, honnêtement, c'est bien. Du coup, ça nous permettrait de monter des persos très vite. Mais le problème, c'est que bah, il faut de l'argent aussi. Hein, parce qu'il faut monter les choses au max. Mais voilà. Par contre, j'ai regardé... Je pense qu'on peut refaire un run. On va pas refaire un run maintenant, par contre. J'ai regardé. Donc, on a Gwendoline en soins. On peut prendre Drux. Vanguard, Loge. Ou alors Hunter. Ou même Manei. Donc, je pense qu'on peut...
On a assez pour refaire un run, honnêtement. Donc ça c'est bien. Par contre, on va faire un boss. J'avais déjà préparé une équipe, en fait, parce que j'avais envie de voir si on pouvait vraiment plus utiliser nos personnages et pour le donjon. Et puis au final, ça s'est avéré vrai. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire un boss. Alors, on a le choix entre la sirène ou la sorcière. On va faire la sorcière, je crois. Parce que là, du coup, on a 4-4-3. 4-4-4-3. Et on a du bon. Donc, on a ça avec du saignement. J'ai pas envie de monter percé parce que ça va nous mettre des debuffs et tout ça, c'est relou. Mais on a... on a du saignement avec ça, on a le signe pour la toucher en arrière aussi qui fait très mal. Après on a toujours bon le saignement, il marche très bien, du flagellant. On a Kiaran qui est aussi bonne pour toucher avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre aussi? 95, moins 33, moins 10... Ouais, on pourrait mettre de l'infection ou alors ça. Je pense que ça sert à rien. Genre comme ça, en fait, on pourrait la mettre. Mais ouais, donc elle est aussi prête. Et après, par contre, on a pas vraiment de choses très intéressantes, pour camper. Genre par exemple, ça... Ça va être inutile parce que c'est dégâts si en position 1 et moins 25 en autre que position 1. Et vu qu'on va devoir changer parce qu'elle va nous mettre dans le pot et tout ça, donc ça va être très dangereux. Donc ça, on peut pas le mettre. Ça, on va pas le mettre non plus. Du stress, on s'en fout. À la limite, il n'y a que ça. Crit plus 10%. Donc 3. Là, il n'y a pas grand chose d'intéressant non plus. Soigner la maladie peut-être parce qu'il est malade, il a la rage. Du repérage. Soigner les maladies encore. Donc au final on va... on peut avoir ça, précision et esquive. Du stress et... Non, le mieux c'est ça, la protection. Donc ouais, on va pas avoir des super trucs par contre. Attribut. Ah oui, il y a ça. Enfin voilà. Mais je pense qu'on peut faire fonctionner. Je pense qu'on peut faire fonctionner l'équipe et ça devrait passer. On va juste récupérer ouais, soigne une maladie. Ouais. Et le crit plus 10%. Ça peut être utile. Ça, est-ce que c'est vraiment uni? Tous les compagnons, Siaté, Pieux, non. Oui, enfin si, ça peut être utile si vraiment elle stresse. Ça, c'est groupe précision et vitesse en moins. Stress moins 20, stress moins 10%. La libation, je sais pas. Ah ouais, après c'est que 3 points. À la limite, si c'était 2, je me dis que ça vaudrait la peine pour les debuffs pendant 4 combats, mais on stresse moins. Ouais, bof. Là, on a ça. Maladie. Ah, il faut ça aussi. Alors, les 4 derniers, genre ça, c'est pour... stress, protection, stress encore, un compagnon.
Un compagnon, ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Je suis un peu... Ouais, je suis un tout petit peu déçu, là, pour le coup des personnages, là, qui peuvent pas revenir dans le truc. J'avoue, je vais pas cacher que je le suis pas. On a encore un problème d'argent. Enfin, on commence à avoir l'habitude, hein. On commence vraiment à avoir l'habitude pour l'argent. On a ça trois fois. Honnêtement, je crois que je vais en vendre un. Là, on a quoi? Pièce de tombe. Plus 2. C'est pas vraiment des trucs qu'on va utiliser, ça, je crois. Déplacement. Ça aussi, c'est pas intéressant. Dégage en position 1. J'en ai fait une infection. 25%. Ça un étourdissement. On va en vendre un. Ouais, j'ai envie d'en vendre un, hein, des trucs là. C'est 3700. Parce que. Ah oui, c'est. C'est pas comme si on avait besoin d'équiper tout le monde. À chaque fois, c'est toujours 4 personnages. Parce qu'on peut pas. Enfin voilà, quoi, on les envoie 4 par 4 à chaque fois. Et c'est jamais en même temps. Mais deux trucs de la peste, déjà, c'est bien. Enfin, je veux dire, si on prend deux docteurs de la peste dans un groupe pour je sais pas quelle raison, ok, mais trois, je vois pas pourquoi. Enfin, je sais pas, je pense pas que... Bon, après, c'est des trucs en orange, ça fait un peu chier, mais... Après, on a des chances de vertu avec ça, je me demande si ça peut être... On peut l'utiliser, ça... Je suis sûr qu'on peut tester, faire des choses, genre forcer les gens à se mettre en vertu. Je suis sûr que... Ah oui, et ça on m'a expliqué pour les talismans de la flamme. Donc on en a que 3, c'est normal, on n'a pas 4, c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais du coup on va en avoir besoin pour la prochaine mission du donjon ténébreux. Et ça va nous protéger en fait, donc il faut l'utiliser. Bien, parce que 500, c'était un peu de la merde ce que je viens de faire, peut-être. Peut-être un peu con. Alors, les torches inférieures. Esquive et critique. Voilà, est vendu. Bon, pour les habilités, on verra plus tard. Faut absolument, absolument qu'on fasse plein d'argent. Ça me gave. Ça, c'est pas mal, stress, moins 20%. Honnêtement, c'est plutôt cool. Éliminer la sorcière. Non. Alors, c'est parti. C'est l'heure d'équiper. Alors, on a de la vitesse en plus, on a compétence de soins, plus 25%. Ouais, mais PV max 15%, c'est énorme. Alors... la sorcière, j'ai complètement oublié ce que c'était. Je crois que c'est... Juste un humain, non? Je crois que c'est humain. Je crois que c'est juste une humaine. Ou un monstre, alors? Enfin, un monstre, une horreur. Non, c'est pas une horreur. Non, non, c'est d'être une humaine. Donc, humain. Est-ce qu'on a des trucs contre les humains?
Je sais pas vraiment. Contre les horreurs. Alors, précision critique. Genre ça, par exemple. PV Mac, esquive et précision. Ça, c'est vachement bien, ce truc. Là, on a mêlée critique, dégâts plus. Toi, tu peux prendre le gobelet. On a vraiment rien contre les humains? T'es bête? Compétence de soin. Pourquoi pas? C'est un boss de toute façon. Protection et stress. Dégâts plus 25%. Avec moins de PV peut-être. Ah ouais, oui, on perd. Ouais, on, oui, c'est 25%, c'est beaucoup. Enfin, 10% de PV, ça fait beaucoup sur elle. Voilà, je suis sûr qu'il y a un truc à faire, genre la vertu 20% là, la vertu 25% là. Je suis sûr qu'on peut, genre, même avoir ces deux trucs dans l'inventaire et les switcher en fait sur une personne qui stresse un peu trop. Et le faire, je suis sûr qu'on peut faire un truc comme ça. Que les gens même doivent le faire. Ok, ça c'est bien. Vu que ça fait 3, plus ou moins 3 DPS, je sais pas trop quoi mettre. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant, là j'ai pas de dégâts, précision. Bon, ça c'est pas mal. Protection et esquive. Critique précision. Ouais, ça manque d'objets quand même, hein, au final. Mais on n'a rien contre les humains, du coup, ça existe pas, peut-être. Contre des gens normaux. Là, on a infection. Ah oui, on avait ça, c'est vrai. Ah, mais c'est PV moins. On a du piège du repérage. Critique 8. Dégâts et précision. Ah, mais il y a critique 5 là aussi, pardon. J'avais pas vu. Non, non, oui, si, ça c'est bien ça. C'est bien ça. C'est très bien. Toi, je sais pas trop quoi te mettre en fait en deuxième à chaque fois. Peut-être qu'on devrait lui mettre ça, en fait, lui. Ah, mais attendez, non, 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 on a des trucs là, ça. À la limite. Après, oui, si on le jouait un peu... genre, un peu proche de la folie et tout ça, oui, mais non, là, c'est bien, ça. Plus de saignement. Ok, je pense qu'on est bon, je pense qu'on est équipé. Je mets un peu de temps, désolé, je suis un peu, on va dire, fatigué. elle a de l'esquive, bon elle a pas de protection mais elle a de l'esquive. Toi tu devrais faire des bons dégâts. Toi t'as des HP et tout ça, tu vas faire du saignement partout. Toi tu vas faire très mal en théorie. En théorie tu vas faire très mal. On compte les horreurs. Contre les humains, chasse aux humains, c'est bien. Son de stress, naturel, blabla. Toi c'est marrant parce qu'il n'y a que du rouge. Il n'y a que du rouge partout, il y a un truc positif quoi. Je sais pas comment tu t'es débrouillé pour faire ça, mais ouais. Je pense qu'on est bon. Je crois qu'on va devoir... il va nous falloir... plus d'argent aussi. Alors...
Il va nous falloir sûrement plus d'argent. Voilà. Ouais, c'est pas mal là. On est parti. A knowledge of horticulturalism and its role in various arcane practices impressed me greatly. My licentious impulse gave way to a genuine professional respect, and together we began to plant, harvest, and brew. Je me demande en fait quand il a fait ça, le mec. Genre, c'est quand il a été, enfin, plus ou moins changé, j'imagine. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Par ce qu'il y a dans le donjon, en fait, qu'il a trouvé sous le donjon. Genre Cthulhu et tout ça, là. Ah, attends. Ah merde, je suis mal placé. Attends, disparition, il faut que je me mette là. Oh là là, on est mal là. Je peux pas vraiment utiliser disparition en fait. Enfin là, mais il faut qu'elle joue en premier par contre. Ah, ça va, la plus 4 au premier tour. Parce que... Ah ouais, mais attends, mais si je retourne, putain, j'ai mal pensé. Ouais. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. On va faire des dégâts, mais bon, ça va être un peu étrange. J'ai pas vraiment envie de récupérer des trucs, en fait. On a besoin de tout ça? Non. Je préfère les garder. Plus tard, on fera des runs argent et tout ça. Parce que là, on a plus rien, quoi. Très bien. Bon, là, c'est pur DPS. J'ai vu aussi beaucoup de gens qui jouaient sans de vrais tanks, j'ai envie de dire. Toi, tu devrais le one-shot, le machin. On a des squelettes, ici. Qui jouait beaucoup sans... On va dire... ouais, homme d'armes... le croisé, tout ça. C'est souvent que des DPS. J'ai remarqué. Mais bon, ça a son... Ah oui, il n'y a pas de 4. Ça a son avantage. Decimated. Pas mal. Ah, mais là, du coup, il peut rien faire, lui. Évidemment, évidemment. Ah non, on est mal... Pas, honnêtement, avec le boss, ça va mieux se passer parce que le boss, elle va pas arrêter de nous bouger tout ça, donc c'est pas grave. C'est pas très grave. Après, il y a elle, on peut la jouer derrière aussi. On peut arrêter de... On peut arrêter de lui faire faire
des va-et-vient avec reculer et tout ça, c'est vrai. Et le premier combat aussi, on m'a expliqué que c'était un chambler, là où je sais plus trop quoi, enfin ça je crois que c'est le nom en anglais. La créature en fait qui se terre dans la nuit, dans les ténèbres, c'est pour ça que je mets toujours de la torche moi par exemple. On va faire ça. Et en fait c'était un truc comme ça, mais qui a été... qui a été... Waouh, super. Merde, putain, j'arrive plus à trouver mes mots. Putain, je dois être fatigué, moi. Contaminé, voilà. Qui a été contaminé, en fait, par ce qu'il y a dans le donjon. C'est pour ça que il avait des trucs bizarres qui sortaient un peu de partout. Genre des tentacules étranges et tout. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention sur le coup. Oh là là, quel bordel. Knowing uncertainty. The birthplace of dread. Oula, vivement qu'on soit au boss, parce que là j'aime pas du tout ce qui se passe. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Slowly, gently. This is how a life is taken. Aïe aïe aïe. A death by inches. Pour remettre un peu de lumière. The slow death, unforeseen, unforgiving. Ouais, là, il me faudrait les potions pour enlever ça, en fait. A momentary abatement. Truc que j'achète jamais. Their formation is broken. Maintain the offensive. Wow. Toi là, comme ça. Alors, on a deux curios ici, et après on a une salle de combat. On a... Bon, au moins on sait que le boss est là, quoi. C'est déjà ça. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Nature herself. J'aime beaucoup le jeu, honnêtement. Il y a plein de trucs bien, mais... Ouais, les choses qui vous bloquent à utiliser les personnages et tout ça, ça c'est vraiment un truc que je suis pas très fan. C'est un peu... C'est limite faire de la difficulté artificielle, en fait.
Mais enfin, comme ça. Après, il y a des mods pour enlever ces restrictions. Après, si on peut faire comme ça, genre là il joue en premier, puis comme ça il peut taper, puis après elle repasse et tout ça. Mais vu que la vitesse est un peu. Est pas vraiment comme ça, elle fonctionne pas vraiment comme ça, des fois il y en a un qui passe devant l'autre et du coup il peut pas jouer. Enfin voilà, c'est un peu le bordel ce qu'on a là. D'avoir 3 DPS comme ça. C'est bien le bordel. C'est des DPS plutôt avant en fait. À la limite, elle pourrait jouer un peu vers l'arrière, mais elle a besoin d'être vers l'avant si on veut lui faire son attaque la plus puissante. Their cursed champion falls. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais saignement, tu... Hein? Genre c'est 100% sur toi ou comment ça se passe? Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Il est légèrement entrouvert et il n'y a rien dedans. Oh, ça me fait 2 combats d'affilée. Je suis... non. Parce que si jamais on doit... Merde, attends. Si jamais on doit casser une barricade, il nous faut des pelles. Et merde, c'était devant qu'il fallait la mettre. Aïe 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 aïe. Be gone, fiend. Très bien. Another one falls. Back to the pit. Mais là, on voit qu'ils ont une bonne attaque quand même, parce qu'on peut tuer des trucs comme ça en un coup facilement. Cleansed from our lands. Ghoulish horrors brought low and driven into the mud. Et bon. C'est vraiment horrible ça, cet endroit quand même. Vraiment de la merde. Oh mon dieu, la protection. Je déteste ce setup. Le pire setup au monde. Thank you.
Oh la vache. Destroyed. C'était un peu overkill. Défense. Ouais, allez, on essaye de stun. Et voilà, c'est bien. Là, on voit que nos personnages ont quand même des... comment ça s'appelle ? On va taper ça. Des armures augmentées et tout. Ils font quand même... Ils résistent bien. On va pouvoir la soigner. Enfin, le soigner. C'est Ornstein. A momentary abatement. Fait chier cette marque. Ça va les critiques, toi, honnêtement. Fous-toi du saignement, genre, tout le temps, quoi, c'est ouf. Incroyable. Jamais vu ça. Ah bah voilà. Précision et power. Wow. C'est quoi tous ces critiques? Qu'est-ce qui se passe? Incompréhensible ce jeu. Incompréhensible. C'est rien en fait. Les portraits, c'est les plus chiants à avoir, hein. Les plus chers en fait. Comme ça. Ouais, il nous faut le reste. Tu vas te prendre 8 de dégâts, ouais, ça va. Excellent. Ouais. Okay. Les esprits t'ordonnent d'agir. Je crois que c'est ça. Se croit victime d'une possession démoniaque. Je crois que c'est ça. Ok, donc des fois tu... Des fois tu touches les trucs, quoi. C'est bien. Ah, voilà. On a bien fait de garder la pelle. Très bien. On va camper, je crois, au prochain... Prochaine salle. Qu'est-ce que c'était le tronc? Qu'est-ce qui manque? Ah, antidote. Oh putain.
On va tuer les deux trucs en même temps, je crois. Pour éviter qu'ils foutent la merde, non? Ou alors il meurt de ça, comme ça, hop. Ouais, voilà, il disparaît. Il n'y a pas le cadavre. Parce que je sais plus comment ils peuvent... muté là. Ah, très bien. On va faire comme ça elle, elle passe en deuxième et elle peut taper. Très bien. Je pense que les soigneurs, il faut... Parce qu'à un moment, je faisais ça. Je mettais ce truc-là, là, soin plus 30, plus 30%. Je crois pas qu'on ait un objet genre pour Vestal qui fasse ça. En tout cas, enfin, moi j'en ai pas pour le moment. Je sais pas si ça existe. Mais c'est vrai qu'on l'avait fait. Et, ça, c'est, et si on arrive à gérer le stress, en fait, c'est vachement puissant de pouvoir soigner autant, quoi. Je devrais la mettre là en, deux, en troisième à la limite. Merde! Ils sont déjà pas assez chiants comme ça les trucs. Ah, les flagellants, ils aident quand même. Ils aident énormément. Avec leur dose de saignement de fou, quand même. Ça, c'est quoi? Ouais, non, ça, c'est pour avancer. Il a du mal avec le stress, lui. Il a du mal à le gérer, en fait. C'est le seul, en plus, de l'équipe, hein. Attends, il a quoi, attends. Il a stress 20... Bon, 25%, j'avoue. Mais elle aussi, elle a 20. Tout le monde a du stress. Il n'y a que lui. Bon, il a 25. Ouais, c'est peut-être parce qu'il prend des petites baves, j'en sais rien. Puis j'ai l'impression qu'il prend jamais du... Il déstresse pas vraiment quand il se passe des trucs avec l'équipe. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est pas lui qui est le plus bas en niveau? Ah oui, ok. Non. Ouais, c'est parce qu'il est 3 en fait. C'est quoi ça? Esquive PV supérieur à 75. Esquive supérieur à 50. Ah, c'est marrant ça. Bah, c'est vachement sympa ça. Plus 10, c'est super à 75%. Bon, en gros, si tu commences à crever, tu crèves. En fait, le truc, c'est que si tu commences à mourir, ils sont sûrs que tu meurs.
Il faut en sorte que d'être sûr que tu meurs. Mais bon, après si tu te fais pas toucher... on campe. On va camper. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Très bien, très bien. C'est marrant d'avoir les deux à côté comme ça. Alors, on est obligé de prendre le sanctuaire parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut bloquer les embuscades. Ce qui est un peu bête. Après, on a critique. Et il nous faut... ça, la prière avec la protection. Il nous en reste deux. On a le repérage, pas vraiment nécessaire maintenant. J'aurais bien voulu enlever les maladies, mais c'est pas grave. On peut t'enlever la rage. Non, on va peut-être pas le faire. Parce qu'en fait... honnêtement, tu fais pas mal de dégâts. Hein. Je vais être honnête, quand ça critique méchamment fort. Donc c'est vrai qu'un flagellant, il peut peut-être faire quelques dégâts. Stress plus 40, stress moins 50, c'est 3 points. Merde. Alors on n'a qu'à faire repérage. Mais je sais pas les jouer avec le stress au max. Si on a le stress au max, en fait, il faudrait les équiper avec le coup fatal, là, en genre résistance coup fatal, je dirais. Après, plus ça avance et plus j'ai envie de les jouer un peu plus hardcore, là, avec le stress, mais... ça reste dangereux. Le problème, c'est que c'est un peu... ouais, c'est un peu le système Dark Souls. Genre, gros risque, grosse récompense. Mais bon, le risque, c'est de perdre le personnage ou perdre l'équipe entière. Donc bon, c'est... il est gros, le risque. Hein. In Radiance, may we find victory. C'est pas de la merde, le risque. A handsome reward. For a task well performed. J'ai envie de garder ça, ça a l'air pas mal. Les mecs, honnêtement, me faites pas chier, on va juste aller tuer la sorcière. Je suis sûr que vous l'aimez pas non plus. The ground quakes. Après sa protection à elle, c'est vrai que c'est sympa, les trois autres prennent un peu de la protection. Elle... putain de toi, quoi. Mais elle prend pas de protection, ça c'est con. Très bien. Elle peut taper à la troisième position. Heal, Ornstein. Donc à la limite, 1, 2 comme ça, 3, en fait ça marche. Ouais non, ça marche comme ça. A victory. Perhaps the turning point.
these nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ou alors ça. À la limite. Ouais. Ah ouais non, comme ça c'est mieux en fait. J'aurais dû y penser. The way is lit. The path is clear. Eh bon boss. Only the strength to follow. Ah putain, évidemment faut qu'il y ait un combat quoi. The match is struck. A blazing star is born. Ouais, 14 de dégâts. Non, c'est pas mal. Faut peut-être que j'évite de leur baisser trop les dégâts en fait au flagellant. Parce que j'ai tendance à les changer en tank vu que c'est les dégâts ils viennent surtout des buffs. Des dots. Mais c'est vrai qu'au final ça marche très bien aussi en tant que. Bah, tank quoi. En tant que DPS, putain, vous avez compris ce que je voulais dire, merde. J'arrive plus à formuler mes phrases, ok. On va recommencer. J'ai tendance à augmenter leur HP et leur protection. Et baisser leurs dégâts. Alors qu'au final, le fait de taper quand même fait quand même pas mal de dégâts. Voilà. Et faut pas. Genre ne pas penser à ça en fait. Ok boss, alors attends, on va regarder les habilités. Donc ah, ça soigne du saignement et de l'infection, ça aussi. J'ai jamais fait attention. Je croyais que c'était juste un soin et un buff. Donc, alors, on a des. Ok, on est bon. Toi, je sais pas ce qu'on va te mettre en fait. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien parce qu'elle va pas. On va pas taper le pot, on veut taper la sorcière. Faut que je réfléchisse deux secondes. On va pas taper le pot, on va rusher la sorcière. C'est pour ça qu'on a 3 DPS aussi. Parce que il y en a un qui va toujours se retrouver dans le chaudron. Et après on a le mage là pour soigner parce qu'il faut au moins. Parce qu'ils vont. Il y en a sûrement un qui va brûler, enfin dans le chaudron. Et il faut absolument qu'on ait un vrai soin, pas un soin aléatoire. Donc on enlève ça. Je sais pas si ça vaut le coup de faire la furtivité en fait. Je sais même pas si ça a bien marché. Bon, en tout cas elle peut le toucher parce qu'elle touche le troisième point. Donc à la limite ça passe. Et après il y a le couteau. Ouais, non, mais le lancer de couteau est pas très puissant. Ça c'est puissant par contre. Ouais, je pense. Ça c'est plus puissant. Ça. Puis en plus ça a plus de dégâts quand il y a de l'infection. Donc ça me paraît pas mal. The
the promise of safety. Voilà. Twisted and maniacal. A slathering testament to the powers of corruption. Donc elle, c'est juste un humain. Ça marche. Elle a pas de résistance au saignement. Allez, fais des bons dégâts. Attends. Ça, c'est dégâts, 20, dégâts 24%. Précision. Non, mais go, go dégâts. 26, pas mal. Portez-moi de cette cocotte infernale. Oh, elle peut se soigner maintenant. Quelle saloperie. Bien. Pas mal. Faudrait lui l'infecter. Ouais, non, mais l'infecter à 80%, c'est peut-être un move pour rien en fait. Pas mal. Pendant 5 tours, ça c'est bien parce qu'en plus ça va vite avec elle vu qu'elle fait deux actions. Elle va bientôt sortir, je crois, l'autre. And now the true test. Hold fast or expire. Très bien. Unnerved, unbalanced. T'aurais pu faire un critique. Ouais, ça va. T'as de la chance. J'allais gueuler. J'allais gueuler. Pas mal ces machins, non? Je trouve, je sais pas, je trouve trop bien. Voilà. Mission accomplie. Mission accomplie, ça s'est bien passé. Pas mal de trucs aussi. Vous aimez ce bruit ou pas? Bruit. 50 fois on entend le même truc. Ah ah. Chance accrue de victoire au jeu. Paris. Je sais pas si ça vaut le coup d'envoyer des gens pour parier. Je sais qu'on peut perdre des objets la plupart du temps. Je peux même perdre des babioles en fait, rares. Très bien en tout cas. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, ça avait l'air sympa, ça. Récolte exceptionnelle.
Ah putain, encore ça, putain, casse-toi. Putain, l'objet qui est partout tout le temps, quoi. Très rare, malédiction. Oh. Dépérissement. Oh, c'est bien ça. Ouais, bon, par contre, le PV moins, c'est chiant, mais. Ok. Alors. Toi, il faut que tu te déstresses. C'est vrai qu'en plus, il faisait des critiques et tout sur elle parce qu'il a la haine des humains. Qu'est-ce qu'on a ? Coût du traitement. Il y a ça à la limite qu'on peut faire. Donc il faut des portraits. Voilà. Alors, Ornstein est bon. Il y a Verdun qu'il faut déstresser. Et il y a Furnival qui est pas mal aussi, ça va. Et ils sont niveau 5. Donc très très bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Telle est la question. Tireur niveau 1, c'est un peu nul. Sont vraiment de la merde des fois quand même. Parce que vu que c'est des gens qu'on n'a pas monté nous-mêmes et tout ça, des fois ils ont vraiment des trucs horribles. Mais bon. Des gens qui comptent pas quoi. Enfin bref, ça on verra plus tard de toute façon. Non, enfin même ça sert pas à grand chose même de les avoir honnêtement. Pour dire la vérité. Ah mais en plus ils gagnent du stress, du. Non mais casse toi. Pour ça je me disais, j'ai jamais utilisé, le machin il est stressé, c'est quoi ce bordel? Bon, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Quel objet on voudrait prendre, surtout ? Là, on a toujours donc la sirène. Bon, la sirène, elle a un truc avec la malédiction, donc on s'en fout un peu, mais... la sirène, donc il faudrait du 4-5... Non, du 3-4, pardon. Du 3-4. 4... On a un soin. On a Ornstein. Attends, on a un soin, on a Ornstein. Bon, Kiaran, elle est partie dans les derniers niveaux. Je vais voir. Genre pour la sirène. La sirène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape quelqu'un et il faut la défoncer en fait. Je crois que c'est plutôt plus ou moins ça. Elle fait quoi la sirène? Je me rappelle plus. Mais je crois que c'est ça la sirène en fait, c'est que ça. Hein.
Comment on l'avait tué, nous? Comment on l'avait tué, la sirène? Elle invoque des machins ou pas? Non, je crois pas. Hein. Juste, elle attrape quelqu'un et après, elle le retourne, en fait, contre nous. Donc, bon. Après, je crois que ça... dans la crique, c'est des... C'est que des monstres, des créatures, des bêtes, là. Donc on peut faire ça. Pas des horreurs. Non, si, c'est des horreurs. Oui, des horreurs. C'est que des horreurs. Donc je crois que la sirène aussi, c'est une horreur. Alors. Alors, on peut faire un truc avec elle. Oh mon dieu. Putain, malade de tous les côtés. Pourquoi je vais pas enlever ça? Non mais elle a... non mais sérieux. Elle a HP, elle a PV moins 30% quoi, s'il te plaît. Non, on va faire un run niveau 1. On va faire un run niveau 1 pour passer le temps. Parce que... Ou alors niveau 6. Et toi, toi on peut pas là. Toi tu fais chier. On va enlever ça surtout. Qui d'autre est malade? Ornstein aussi, on va peut-être le l'enlever. Ok. Bon bah du coup on oublie le plan parce que là on était bon puis on pouvait bien partir là pour un boss mais bon. Donc ça non, récolte exceptionnelle, je sais pas ce que c'est. Alors ça. Ça m'intéresse. Cet anneau, on en a un ou deux de cet anneau. Ça m'intéresse bien d'en avoir un deuxième. Le bouclier on s'en fout. Ça à la limite on s'en fout un peu aussi. Ça, ça a l'air pas mal mais pas trop fan non plus. Compétence de soins plus 50%. Ça pour transformer l'antiquaire en bon support, ça peut être pas mal. Mais j'aimerais bien, ouais, un deuxième anneau comme ça, peut-être. Cadavre, activer 3 cadavres infectés. Ça marche. Du coup, il nous faut... Je vais prendre lui... Toi aussi t'es niveau 5 maintenant. Kiaran aussi, on peut reprendre Kiaran. Ah, faire une équipe comme ça. Hein. Will c'est quoi? Bah Will on y était, c'était les champignons et tout ça là, le bordel. Bon après je suis pas méga fan. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre? Merde. C'est... Ouais. Pour faire de l'argent. Ouais, c'est pas mal pour faire de l'argent. Pour soigner.
À la limite, peut-être pas lui, parce que je vais peut-être prendre un niveau 6 plutôt. Ouais. Pour être sûr de pas trop avoir de problème. Ah oui, mais elle, elle peut faire tanker les gens, c'est vrai. Merde. Loge, peut-être. Loge est pas au max. Bon, bah... Gaudruel, du coup. Gaudruel. Voilà. Comme ça, ça fait 6-6, 5-5. Parce que bon, c'est quand même un peu chaud. Hein, bon, on a 9000, on va pas acheter de, on va pas augmenter leur, leur équipement parce que sinon c'est la merde, c'est trop cher. Ok. Ok, ok. Donc ça c'est le Wild. Wild. Wild, c'était des humains, des créatures bizarres. Ouais, des bêtes aussi. Ouais, enfin, c'est un peu le bordel, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Pam, 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 pam. Ça, comme d'habitude, ça. Toi, il nous faut de la vitesse. Ça et la vitesse. Très bien. Toi, ça va être pur dégâts. Toi, ça va être un mix. On lui mettrait pas ça. Ça peut aider contre les protections parce que c'est un peu la merde l'autre. C'est un peu la merde cet endroit. Là, on te met les crits. On va te mettre ça. Crit vitesse. Ok, je crois qu'on est bon. Ah oui, par contre, faut trop mettre. Poum, poum. Voilà, là, ce sera plus simple, honnêtement. Par contre, à chaque fois, on fait passer qui devant là. Ouais. Faudrait quand même après leur enlever les maladies, hein. Putain. Il y a des maladies de partout, quoi. C'est ouf. Allez, c'est pas mal. On va prendre un deuxième anneau comme ça. Donc ça, c'est pour un terriblement puissant, une terriblement puissante concoction servant à lutter contre les maladies et les infections. Ça marche. Alors, hop. Ah oui, il y a quoi surtout là-dedans? Surtout les plantes et tout ça. Et les eaux bénites aussi. Enfin, les plantes, je veux dire, les herbes, il faut les herbes. Herbes, eaux bénites. Peut-être pas ça vraiment. Des pelles, beaucoup de pelles ou pas? Non, pas plus. Non. 3 pelles, ça suffira. Ouais, on est bon. J'ai hâte aussi de commencer le coup du. De la cour là avec les vampires et tout ça. Ça a l'air vachement marrant, mais bon, du coup, ça nous fera un truc à faire une fois qu'on a fini le jeu. Ah! Ah merde, mais du coup, j'ai 3 personnes. Quoi? Pourquoi t'as ex de déterminé plus 50 personnes? Ah oui, toi, t'étais pas. D'accord, ok. C'est lui qui a fait le temple
Du coup, il donne de l'expérience en plus. Expérience de terminal plus 50%. Ok, cool. Mais bon, elle est déjà niveau 6, donc c'est pas... On s'en fout, quoi. Oh! On y va. Ça commence, quoi. Trop bien. Trop bien le jeu. J'aurais pas dû l'ouvrir. J'étais con. J'étais complètement con. Si on va faire demi-tour de toute façon. Là, on va aller jusqu'à la fin, sauf si... on voit que si on repère, il n'y a rien. Cette pièce. Objectif de quête. Ok, cool. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Non, non, non. Toujours pas. On va pas prendre ça maintenant. Très bien. C'est parti. Pam, 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 pam. Mais saignement 27%, ok. Yeah, il a plus qu'un point. Maintenant il saigne, trop bien. Ah putain. 31 d'esquive. Oula, toi tu vas faire chier. Toi. Great is the weapon that cuts on its own. Ah, le soin, on n'a pas mis le soin. Bah après, il n'y a pas de boss, donc bon, ça va. Ouais, le soin plus 30%. Time to perform beyond one's limits. Alors, cadavre infecté. Ok, c'est bon. Oh merde, pas ça. La merde, ce machin. Mais elle a une vitesse pourrie, hein. Je sais pas ce qu'elle a, mais... Peut-être parce que son équipement est pas à jour.
peut-être. Parce que ça, normalement la vitesse elle augmente avec l'arme je crois. Par contre le Vestat il va avoir un problème. Oh non. Putain, ça prend deux tours pour faire cette attaque. May we find victory. Ah, c'est marrant, elle met un coup de couteau dans le... dans la poupée. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Pam. A powerful blow. Très bien. Confidence surges as the enemy crumbles. On avance. Oh merde, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié ce qu'elle faisait ça. Infection 140%. Voilà. Ah, on va essayer de se soigner un peu quand on pourra. A death by inches. On va peut-être lui mettre le soin à elle. Comme on avait fait à un moment. L'antiquaire, elle aidait un peu à soigner de temps en temps. Genre, c'est des petits soins, mais bon, ça... ça s'accumule. Leur formation est broken. Maintain the offensive. Quoi ça? Des sanglants. Là, c'est pour le bouffon. Ouïouïouïouïouï. Je sais pas si le saphir ça vaut le coup en fait. Je sais pas combien on va en avoir. Je crois qu'on va devoir camper hein. On va camper dans cette salle.
par contre, toi, on va virer ça. On va mettre ça. Oui, parce que là, on pourrait lui mettre... parce que elle a, l'antiquaire, à chaque fois, je lui mets énormément de défense et tout. Mais au final... elle va pas vraiment se faire attaquer, quoi. Donc le mieux, ce serait de lui mettre... je vais y arriver, hein. Du soin en plus, là, l'objet, là, qui fait 50% de soin en plus, ou un truc comme ça, ça peut être pas mal, je pense. Alors, on a la protection, on a... qui c'est qui a des, vraiment des trucs horribles? Dégâts en moins, en nuit... Ouais, faut enlever ça, la vertu. Infection et saignement, on va faire ça à la madame. Voilà. Maintenant il reste 5. Ça ferait 2. D'après ça manquerait 3. Ah bah ça va. Voilà. Nickel. C'est bien lui qu'il soit religieux aussi. Ça permet de le transformer en tank. Dans cet épisode, j'ai du mal à faire des phrases, à sortir des phrases et des mots. Oh, la vache. Incroyable. We require only the strength to follow it. Hop. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Bien. J'ai envie de virer ça. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. C'est un peu tôt pour camper, mais bon, on n'a pas vraiment le choix, parce que là, c'est demi-tour, la moitié de la map, quoi. Ah, très bien, ça va manger, évidemment. Ça aussi, il faudrait les ramener, les journaux, les pages de journaux. Ça permet de débloquer des choses. Je crois. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Très bien. Waouh, ok. D'accord. The light, the promise of safety. Ah oh, merde. Ah ça, elle a pas bougé. Est-ce que tu peux one-shot ça? Presque. C'est pas mal. Slowly, gently. This is how a life is taken. Thank you.
Non, mon dieu. Ça va arriver, hein. Ça va arriver. The blood quickens. Oh, merde. Ouais, ça arrive, voilà. Oh mon dieu. Yay. There can be no hope in this hell. No hope at all. Après, les ennemis sont pas extrêmement difficiles, ça devrait être ok. Inspiration and improvement. Mon dieu. Ah, on a du mal à toucher quand même. Hein. Là, il est quand même bien. Là, la résistance contre les choses, là. Ça. Genre, il a 158 enseignements. Hein. Et tout. Ça, c'est cool, ça. Alors. Là, tu m'embêtes. Là, tu m'embêtes. Ça fait très loin pour balancer des torches. Ça, comme ça, 4000. Les pelles, ça fait très loin aussi pour commencer à balancer les pelles. Parce que on peut peut-être tomber sur quelque chose. Ouais, non, je peux pas. Ça va être trop dangereux. J'ai même plus de clé. Je sais pas si on peut ouvrir ça. Avec une pelle, je crois pas. Apparemment, de l'anti-vénom, ça marche aussi. Ah. Ah. Impie maçonnerie. Ah oui, c'est vrai que les... ça c'est de la pierre quoi, il saigne pas. Ça lui par contre oui. J'aurais dû lui faire la première attaque dessus. Ça fait plus de saignement. Très bien. Et oui, du coup, je sais pas pourquoi tu passes pas. On va faire ça. Très bien. Gnawing uncertainty, the birthplace of dread. Qu'est-ce qui se passe? Anxiété.
ça, c'est très long. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est super long ce... cette mission. Grievous injury, palpable fear. Fais un peu peur, toi. A brilliant confluence of skill and purpose. Très bien. And power. On va y arriver. Monster's size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Wow, okay, cool. Merci d'avoir passé. Impressive. Wow, on a réussi à la faire saigner la gargouille. Non, c'est... Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? Okay, très bien. Objectif de quête, super. Is struck. A blazing star is born. Le reste, on va le garder. Plus que 4. Ça fait encore un repas. J'espère qu'on va pas avoir de combat. Ce serait vraiment bien. Trinkets and baubles, paid for in blood. Il nous faut encore de la place, on va attendre. Ok, c'est pas tout le temps. Le cadavre a été purifié. Ça, ça. Yes, on a un peu de nourriture en plus. Bon ouais, il y a elle qui fait un peu peur là, avec son stress. On devrait lui enlever l'anneau robuste en fait. Maintenant que j'y pense. On devrait tout simplement lui enlever l'anneau. On l'inverse avec je sais pas qui. Joli. Sedated. Sedated. J'aime bien comme il dit ça.
Ah, elle en fait des bons crits à chaque fois. Hein. Alors, on fait voir. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Nickel. Nickel, nickel. Merde, j'aurais dû le faire pendant que j'avais encore une place dans l'inventaire. Ah, du coup, ça voudrait dire que. On inverse les objets. Ouais, j'ai pas vraiment le choix en fait. Il y a que avec lui, genre Lyle, là. Ouais, bof. Mon dieu, ok, objectif Akati là. Ça va, il n'y a pas de combat. Non. Bon, enfin, si, ça va. Si seulement le trésor pouvait stanch le flux d'autres worldly corruption. Some reward for a task well performed. Cool. Yes, nickel. Parfait. On n'a même pas eu besoin de l'eau bénite. Bon, ça s'est bien passé au final. C'était un peu long, honnêtement. Je crois qu'on a fait que deux runs, en fait. Le premier run, il nous a duré quasiment une heure. Bah lui, pareil, hein. Honnêtement. Putain, je suis même fatigué un peu, là. Ah. Ça c'est triste. Elle est vraiment cool. Plus je la joue et plus j'aime la jouer, quoi. C'est abusé. Il est full DPS dessus. Très bien. Wow, c'est quoi ça? Ancestral? Crème à moustache de l'ancêtre. Putain. What the fuck? Ça va un peu? Allez. On s'arrête juste devant le truc, on fait pas le combat. Hein. J'ai pas envie de faire le combat. Il manquerait plus que ça se passe mal. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder a glint of gold. 750. On a qu'à prendre la page aussi. Ça. Bon. Ciao. Allô ? Je suis parti là ?
mon jeu qui crash ou quoi? Non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur, quoi. Voilà, là, c'est bien. 39K. Et rien. Ouais, c'est parce que c'est pour ça qu'on a 39K, en fait. Ah ouais, non, là, ça, c'est bien, là. Là, là c'est cool. Là. Yes, ils sont directement 6. En un coup. Alors, second souffle. C'est pas intéressant. Coup d'amélioration d'armure, moins 20%. Ah, c'est bien ça. Ça va nous permettre de monter de l'armure direct. Bah tiens, on va te monter ton armure. On a 39K. Alors. De la vie végétale saine a été repérée dans les bois environnement. Une chose rare en ces contrées. Expérience de terme. Ah oui, ça c'est le. Ouais, okay. Ça marche. Alors. Verdun ressent force et puissance après avoir mis sa chair à l'épreuve. Ouh, c'est bien ça, je savais pas. Ok, très bien. T'aurais pu soigner les deux, hein, saloperie, quand même. Ouais, on a la torche là. Et ça, c'est le canon 12 livres. Ah. J'ai vu un truc bizarre là. Canon 12 livres. Ah, on peut peut-être faire le canon. Ah, casse-toi. On peut peut-être faire le canon la prochaine fois. On aura des dégâts en plus. Et on aura ça. Alors, par contre, je voudrais juste vérifier ce qu'on a eu parce que ça, j'avais pas vu ça. Donc, on a eu un truc ancestral comme ça. Genre résistance aux infections et au malus 50%. C'est pas mal. Ça peut être utile. Maintenant que je vois que les résistances sur certains endroits, ça peut être vraiment utile. C'est toi qui as eu maîtrise coup d'amélioration d'armure. Vas-y, fais voir, go. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a ça, qui a ou armure ou arme. Non. Parce que ça aussi, c'est vrai que faut en profiter en fait. Non. Ah oui, maîtrise d'armure. Toi. Non. Merde. Ah putain, j'ai... Brimon, armure. Ouais, je pense qu'il faut en profiter de ça. Hein. Ça permet de d'utiliser moins d'argent. Hein. La chose humaine... Robustesse de lynx. Ok, je pense qu'on est bon. Ouais, on est bon. Bon bah c'était bien. Bon bah du coup en une partie on est passé de 5 genre au tout début, de 5 à 6. Parce que quand on faisait des parties, ça, voilà, on arrivait presque à la fin, mais jamais vraiment à la fin du niveau. Mais là avec un mec de la torche, ça marche quoi. Bon, par contre, on va les virer, je pense. Si c'est pour. The task ahead is terrible, and weakness cannot be tolerated. Voilà. On a une estat niveau 1. À la limite, peut-être. A sister of battle, pious and unrelenting. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avant qu'on se quitte, on va... Attends, on va bouger ça. Hop, 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 hop. Alors, elle est stressée de fou. Toi, t'aimes faire quoi? Bah, rien du tout, en fait.
peux boire. Non, tu peux méditer. Méditer. La méditation, c'est bien. Réduction du stress amélioré. Qu'est-ce qu'on a? 19 et 15. Non, de toute façon. Ok, très bien. Elle est superbe. Elle est superbe. L'art de dégainer, je me demande si on devrait pas le verrouiller. Pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que c'est vrai que l'art de dégainer, comme j'ai dit, vu qu'on la commence avec, avec la disparition, c'est pas mal. Le mieux, ça serait avec l'esquive et tout ça, là. Mais bon. Déjà pas mal. Putain, 7000, putain. Ah bah putain. Enfin bref. Toi t'as l'anxiété. On pourra l'enlever. Enfin tu pourras te l'enlever toi-même. La rage, ça c'est un problème. Encore heureux qu'on a un peu d'argent maintenant. La syphilis pour toi. Ah non, attendez, peut-être qu'on... Bon voilà, on est bon, de toute façon. Et pour le stress, il n'y a que elle, le reste est très très bon, tout va bien. Un truc qu'il faut faire... Donc ici, éliminer le boss. Donc le canon de 12 livres, c'est le canon où il faut tuer un mec là rapidement pour éviter qu'il fasse péter le canon. Et donc du coup, on veut du 4-5, non, du 3-4, on a, hop, ça serait pour le dot. Comme ça, ça ferait pas mal de DPS là, non? Je crois que là on est... Je crois qu'on est très potable là, en DPS. On a du stun. Ouais, parce que lui il peut toucher... Okay. Genre un truc comme ça, il peut toucher 1, 2, 3. Toi, lui, il peut toujours mettre du saignement un peu partout, ça c'est bien. Toi, tu... 1, 2, 3 et 4, si t'es en première ligne. Ok, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Et toi, bien sûr, on a ça, ça... Je sais plus si on peut faire bouger le mec, en fait... qui s'occupe du bordel, du canon. On a la marque. Si besoin. Ah, en plus, c'est des humains. C'est des bandits. En plus, c'est des humains. Les bandits, tout ça, là, qui traînent. Donc, c'est pas mal. Après, toi, est-ce que t'as besoin de faire la marque? J'en sais rien, honnêtement. Je pense pas. Là on peut attraper, là on peut faire des dégâts et là tu peux faire des dégâts 1, 2, 3. Ouais. On est bien là. On est bien. Alors, critique, dégâts. C'est pas des impies. Ça c'est bien. On a strictement rien pour le cultiste, c'est ouf quand même. Waouh. Ok. Je pensais vraiment avoir quelques trucs pour le cultiste, mais en fait pas du tout, c'est bien. Protection esquive.
Ah, à la limite, lui, on peut... J'ai envie de tester un truc. PV, qu'est-ce qu'il veut... J'ai envie de tester un truc, ça serait... le soin. Ouais, PV, esquive. Ou alors on lui met l'anneau, lui, je sais pas. PV, esquive, protection. PV. Ouais, peu de protection. Ouais, tester le soin si ça, si c'est vraiment utile, ça, je pense. Enfin, je pense que c'est utile pour tout le monde de toute façon. Il n'y a, pas à dire. Et il nous faudrait donc plus de saignement, parce que ça aide honnêtement. De jamais se louper. Toi, tu vas nous mettre... je sais pas trop. Plus des dégâts. C'est des humains qu'on va encore taper, donc bon. Il n'y a pas vraiment trop de choix. Les fanatiques, il faut que je regarde ce que c'est. Il faut que j'aille voir. C'est le talisman païen. Talisman païen. Précision et critique. Et toi, là, on a quoi pour toi? On a ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça maintenant, donc. C'est vrai qu'on a toujours pas testé ça. Donc, mêlée plus 25%. Ça va faire mal. En théorie, ça va faire mal. On peut lui mettre ça. Ouais, là on a 50% de dégâts en plus, tout simplement. Après peut-être que un peu de précision serait le bienvenu, peut-être. Ouais, je pense qu'on est bon là, on est bien équipé. Ouais, on est nickel. On est très bien. Et donc ça sera notre équipe pour aller tuer le boss la prochaine fois. Le canon de 12 livres en vétéran. En vétéran. Plus total rage, c'est bien. Est-ce que on a... Pas sûrement. Non, non, j'ai rien dit. Mauvaise langue, mauvaise langue. Les mecs sont plus ou moins prêts. Total soin. Ornstein, tu vas nous prendre ça. Ok. Ah oui, il peut marquer sur ça. Oui, protection, moins 15%. Là, moins 18. Ouais, en fait, il y a toutes les habilités du chasseur de primes, en fait. Maintenant que je commence à m'en rendre compte, qui sont vachement bien. Hein. Parce que là, on a la protection en moins. Là, c'est pour attraper, surtout. Donc, du coup, comment on va le jouer ? Le stun, je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas si on peut faire l'attraction. On peut faire ça. Bon, après, il n'y a que lui qui joue à la marque. Donc, c'est peut-être pas trop utile non plus pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ça va pas toucher tout le temps. Ça, ça touche que le 1 et le 2. Et le 1 et le 2, c'est pas... le canon, il va pas vraiment être tout le temps 1 et 2, quoi. Ça, je le mets parce que ça touche en 4, en 3, pardon. Et après, le étourdissement, je sais pas. Je me rappelle plus si le mec, on peut le bouger ou pas.
rappelle plus du tout. Voilà, allez, c'est bon. On va s'arrêter là. Pas besoin de se mettre de la défense contre le saignement et tout ça, parce que là, ça va être un boss. Pour ce qui est du campement... on va te mettre en première ligne, donc du coup, toi, tu pourras peut-être faire ça, à la limite. En tout cas, il nous faudra du crit. Toi, t'as tout. Là, on a... les tailles 2. Les tailles 2, non, ça sert à rien, parce qu'on combat pas des tailles 2. Précision écrite. Embuscade nocturne. On va prendre ça avec lui. Réduit le... non, pas ça. Ça, uniquement sur soi. Stress, moins 25. Tourne à le pistage. Change de repérage aussi, c'est intéressant. Parce que... oui, enfin les salles secrètes et tout ça, si jamais on l'a dans le groupe, on peut le faire. Voilà. Nickel. On fera ça la prochaine fois. Encore un boss, c'est cool. On a fait un boss aujourd'hui ? Je me rappelle plus. La sorcière ? Je crois... je sais plus. Ouais, peut-être. Ça m'a paru tellement long tout ça que je sais même plus. Bah voilà, je suis très content. Très content, ça se passe bien. Tout le monde avance bien. On est au... semaine 56. Ça va vite. Ça va vite. Et à un moment, quand on aura plus de merde, ça me saoule de voir toujours ça. On fera le deuxième assaut contre le château. Mais là, on commence à avoir pas mal de monde en plus, et c'est cool. Je suis assez content. Surtout Kiaran et tout ça, là, et elles vont vraiment... les nouvelles recrues, en fait, vont vraiment aider, là. Vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.